tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Oh, infiniment abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oh, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Fils d'un homme pour se répentir, ce qu'il a dit, il l'accomplira, il le fera, il fera, il fera, il fera, non, ne doute point, il agira. Ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oh, il accomplira toutes ses promesses envers toi et moi.
garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il te fera pour toi, il fera ce qu'il a dit dans ta vie s'accomplira. Il fera de tout point. Il fera, 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 il agira, mon Jésus. Il fera, il l'accomplira, il fera, il le fera, il fera. Il fera, il fera, il fera, il fera certainement pour ta vie, il fera certainement pour ta destinée, il fera certainement pour ton ascension au sommet. C'est avec ses sonorités, c'est avec ses notes musicales, ses envolées que nous démarrons votre émission sur votre chaîne préférée Ecclesia TV. Votre émission s'appelle Rendez-vous au sommet, qui est votre émission de motivation, de formation en leadership chrétien et d'incitation au succès. Je suis Stéphane Marie Diolo, votre frère, ami et coach, et nous sommes sur ce plateau pour vivre 52 minutes de pur bonheur avec vous. Je suis sur le plateau avec vos chantres préférés, Ange Bawa et Marilyn Lobassé, qui vont nous conduire dans un moment d'adoration, dans un moment de louange. Je voudrais s'il te plaît signifier le thème de cette émission qui va s'afficher au bas de votre écran. Le thème d'aujourd'hui de cette émission de Rendez-vous au sommet, c'est inarrêtable. Inarrêtable. Nous sommes inarrêtables sur le chemin de notre destinée. Je vais vous laisser avec Ange Bawa et Marilyn Lobassé. À eux deux, ils font un cœur spécial. Ils font un cœur spécial. Eh bien, je vais vous laisser avec eux pour que vous puissiez bien vous asseoir afin que nous puissions vivre ce moment inarrêtable. Mais là, en ce moment, je vous laisse pour quelques minutes d'adoration avec Ange Bawa et Marilyn Lobassé. C'est à vous. Aucun délai, je
je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun télé, moi je reçois mon miracle. Et le Seigneur le fait, oh, dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun, le Seigneur le fait, le Seigneur le pour toi, fait pour toi et moi, dans ma vie, plus aucun délai, je reçois mon miracle. Ah, le Seigneur le fait, le Seigneur le fait, dans ma vie. Je reçois mon miracle, le Seigneur le fait. L'accomplir dans ta vie, dans ta vie, plus aucun délai. Jamais été surpris par un événement. Frères et sœurs, vous êtes sur Ecclesia TV. Ces moments, ces instants sont des instants de grâce. Et vous savez, Ecclesia TV, c'est la télévision autrement. C'est la télévision autrement. C'est cette chaîne de télévision qui vous connecte directement au ciel. Alors, nous sommes ici à rendez-vous au sommet pour vous conduire dans un moment de grâce, un moment exceptionnel. Et le thème que nous avons là maintenant, c'est inarrêtable. Inarrêtable. Nous allons partir avec ce chant. Il n'a jamais été surpris par un événement. Et nous allons venir pour le vif du sujet. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Ah, de là où tu te tiens, chante ce chant avec nous. Il n'a jamais été surpris par un événement. Surpris par un événement.
Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Oh. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Quel que soit ce que tu vis, prononce son nom. Chante son nom, s'il te plaît. Il n'a jamais été surpris par un événement. Je l'appelle Jésus. Son nom est Jésus. Oh, il n'a jamais. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui. Avant le commencement, il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je l'appelle Jésus. Je l'appelle Jésus. Je l'appelle Jésus. Dans ma vie, je l'appelle Jésus. Lorsque tout va mal, yes. Et même quand tout va bien, il reste le même ami fidèle. Lorsque je me sens seul, abandonné, il est là pour me consoler. Il a fait le ciel et la terre. Alléluia. Oh, il a fendu la mer en deux. Merci Seigneur. Il a fait des prodiges. Oh, Mayane, Charado, Edananane, Sayane. Oh, son nom est Jésus. Est-ce que quelqu'un l'appelle? Son nom est Jésus. Lorsque tu te sens abandonné, appelle ce nom. Jésus. Yes. Jésus. Yeah. Jésus. Oh. À toi, Seigneur, l'honneur, à toi, la gloire de ce moment. Nous voulons, Saint-Esprit, te recommander cet instant et ce moment. Et nous prions, Seigneur, que toute notre vie soit à toi. Nous prions, Seigneur, que ta présence en nous devienne réelle,
Que ta présence en nous soit manifeste, Seigneur. Que nous soyons des instruments pour manifester ton règne sur cette terre. Que nous soyons des vases qui révèlent ta gloire et ton excellence. Que nous soyons des vases de terre pour les hommes, mais pour toi nous sommes des vases d'honneur, parce que tu t'es déposé en nous, parce que tu as répandu, tu as donné ton Fils à la croix pour chacun d'entre nous. Que la gloire de cet instant te revienne au nom de Jésus. Amen. Que ta présence en moi devienne réelle. Dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, Seigneur, que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Merci Seigneur, merci pour cet instant. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Inarrêtable. Tu restes sur ces accords, tu restes sur ces notes. Merci pour ce moment. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? De là où tu es, est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu pour cet instant et pour ce moment? Alléluia. Alléluia. Merci en tout cas pour ce moment, pour cet instant que nous sommes en train de vivre. Vous savez, c'est un privilège. C'est un privilège parce que chaque fois que... personnellement, je me retrouve dans un hôpital, que je vais rendre visite à un malade, je me rends compte de ce que Dieu, de la grâce dont nous bénéficions. Il y a tout pour se plaindre. On se plaint des embouteillages, on se plaint de la chaleur, quand il pleut, on se plaint de ce qu'on a, on se plaint de ce qu'on n'a pas, des personnes qui sont autour de nous, de leurs défauts. On se plaint de nos enfants qui font trop de bruit. On se plaint de notre patron qui est acariâtre. On se plaint de nos collègues qui nous mènent des bâtons dans les roues et tout cela. Mais en fait, il y a parmi ce chapelet de plaintes-là, il y a un seul élément qui doit te permettre de rendre gloire et de rendre grâce à Dieu. C'est que tu as quelque chose en toi. Si aujourd'hui, là, maintenant, tu es debout, tu arrives à manger, tu as de l'appétit. Si aujourd'hui, là, tu es en vie, en fait, c'est un argument significatif pour que tu puisses rendre gloire à Dieu. Parce qu'au cours de cette nuit, il y a des personnes, la veille, qui ont demandé à Dieu de leur accorder 24 heures. Pour se racheter de leurs erreurs. Mais ces personnes-là n'ont pas été graciées par Dieu. Ces personnes-là n'ont pas bénéficié de cette grâce qui leur permettrait de vivre encore 24 heures. La vie n'est pas un acquis. Et si tu es sur cette terre, écoute-moi bien, c'est parce que Dieu veut que tu sois inarrêtable. Le processus en fait de la vie, le processus de la fécondation dans le ventre d'une femme montre que toi qui es en train de me suivre en ce moment, c'est parce que d'autres ont été arrêtés que toi tu as survécu. Écoute-moi bien, si tu m'entends en ce moment, c'est parce que tu as été inarrêtable dans le sein de ta mère. Et si tu as foulé le sol de cette terre, écoute-moi. C'est pour que tu ailles au bout de la prophétie. C'est pour que tu ailles au bout de la promesse. C'est pour que tu ailles au bout de ta destinée. Parce que tu es un projet en manifestation sur cette
sur cette terre. Tu es un projet pensé par la sagesse de Dieu. Tu es un projet pensé par la suprême intelligence de Dieu. En t'emmenant sur cette terre, Dieu a fait un investissement. C'est un investissement qu'il a injecté sur cette terre pour obtenir un retour sur investissement. Et tu dois aller au bout de ce que Dieu a prévu faire avec toi. Alléluia. Alléluia. Lorsque je préparais ce message, je me suis rendu compte de la valeur. Tu peux continuer sur ce niveau, ange. Je me suis rendu compte de la valeur. Je me suis rendu compte de l'ampleur, de la valeur que nos vies ont aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, le psaume 115, le verset 16 déclare ceci. Les cieux sont à l'Éternel, sont au Seigneur, mais la terre a été donnée aux hommes. Les cieux sont au Seigneur, mais la terre a été donnée aux hommes. Il y a une seule chose que Dieu ne fera pas malgré sa puissance. C'est qu'il ne violera pas ses propres protocoles et ses propres lois. Dieu ne violera pas sa parole. Il ne transgressera jamais sa parole en ce qui concerne l'homme. En ce qui concerne la terre, frères et sœurs, la terre a été donnée aux hommes. La position que tu occuperas sur cette terre ne dépend pas exclusivement que de Dieu. Mais la position que tu vas occuper dans le système que les hommes ont bâti dépendra de toi, dépendra de ta volonté, dépendra de ce que tu veux. La collaboration que tu vas avoir avec la grâce de Dieu te permettra d'occuper une position d'honneur, une position de gloire dans cette vie. En fait, Dieu n'a pas créé la pauvreté. Oh. Yes. Si tu en es là, écoute-moi bien. Ne rentre pas dans ce fatalisme qui te fera croire que non, c'est la volonté de Dieu. Je suis en train de porter ma croix. Peut-être que c'est le minimum dans lequel je suis, c'est ce que Dieu a voulu pour moi. Ça, c'est la pensée du destin. C'est la pensée de la prédestination. C'est la pensée du fatalisme. Je refuse cette théologie. En tant que leader, Dieu nous a donné la capacité de rêver, de penser, d'imaginer et d'occuper la position qui nous est accordée dans cette vie. Alléluia. Cette terre a été donnée aux hommes. Cette terre a été donnée aux hommes. Et ce que tu deviendras dans cette vie dépendra non seulement de Dieu en collaboration avec toi. Jésus nous enseigne, lorsque les disciples viennent vers Jésus, il enseigne les disciples. Ces disciples-là disent, apprends-nous à prier. Et Jésus va faire une prière qui est récitée tous les jours à la messe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais il dit quelque chose de fondamental à la troisième phrase. À la troisième phrase, il dit quelque chose de fondamental qui me marque. On ne fait pas attention à cela. Il dit, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. Écoute-moi bien, je suis à l'introduction, mais je suis en train de planter le décor pour que tu comprennes bien ce que je vais dire. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. C'est-à-dire qu'il doit avoir un équilibre entre ce que Dieu a décidé dans le ciel et la manifestation de cette volonté sur cette terre. Pour que la volonté de Dieu se manifeste sur cette terre, il faut une collaboration de l'homme. Et là, maintenant, je rentre dans le vif de mon sujet. Même Dieu, malgré sa suprême puissance, n'a pas violé ce protocole. Lorsqu'il devait entrer dans l'humanité, il a fallu que sur proposition, une femme dise oui. Écoute-moi bien. Dieu peut décider. Ça peut être établi dans le monde spirituel, mais sur la terre, il faut qu'il y ait quelqu'un sur la base de la proposition qui doit dire oui. Il doit avoir quelqu'un qui doit embrasser sa destinée. Il doit avoir quelqu'un qui doit dire oui, qui doit croire fondamentalement que j'ai une place qui m'est réservée au sommet. J'ai une place parmi les grands de ce monde. J'ai une position d'influence. J'ai une position d'honneur que je dois occuper. Le succès est mon partage. La réussite est mon partage. Et donc à partir de là, je décide de devenir inarrêtable. En fait, quand tu occupes la pensée de quelqu'un qui est inarrêtable, c'est que tu commences à te dire que peu importe ce que j'ai eu à faire, c'est là que j'en viens. Peu importe mes erreurs, peu importe mes faiblesses, peu importe ce que j'ai su faire ou je n'ai pas su faire, ça n'arrêtera pas la prophétie de Dieu en manifestation sur cette terre à travers moi. Les hommes ont bâti un système
pour arrêter tout projet de Dieu. Le diable a bâti un système sur cette terre pour arrêter tout projet de Dieu. Lorsque nous nous retrouvons en décembre, pendant le temps de l'Avent, à la naissance du Christ, c'est recité dans tout, ce passage-là est repris dans toutes nos assemblées. On se dit que lorsque le roi des rois entre dans l'humanité, son étoile est vue, son étoile est repérée. Écoute-moi, l'étoile de Jésus a été repérée non pas par des prophètes. Ce n'étaient pas les membres du Sanhédrin qui ont repéré l'étoile de Jésus. Ce n'étaient pas les pharisiens ni les docteurs de la loi qui ont repéré l'étoile de Jésus. C'étaient des gens qui n'avaient rien à voir avec la pratique religieuse des Juifs. C'étaient des mystiques. C'étaient des gens qui étaient versés dans l'art de comprendre que quand quelqu'un de grand doit naître sur la terre, là, même les éléments de la nature attestent que quelqu'un de grand va naître sur la terre. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient un certain contrôle. C'étaient des gens qui étaient à la porte entre le monde spirituel et le monde physique. Parce qu'il n'y a rien de physique qui ne soit pas contrôlé par le monde spirituel. Donc, ces mages et ces mystiques-là ont repéré l'étoile de Jésus dans le ciel. Ils ont dit à Hérode qu'on a repéré son étoile à l'Orient. Et nous sommes venus jusqu'à Jérusalem pour le voir et l'adorer. C'est toi qui ne te connais pas. Si tu savais le dépôt de Dieu en toi, tu n'allais pas te minimiser. Tu n'allais pas te négliger. Tu n'allais pas résumer la puissance de Dieu, la capacité de Dieu à te rattraper à travers tes erreurs. Non, 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 non. Et lorsque ces mystiques là repèrent l'étoile de Jésus, ils disent quelque chose. La question fondamentale qu'ils posent à Hérode, c'est où est le roi des Juifs qui vient de naître? L'enfant venait à peine de naître. Il n'avait que 8 jours. Regardez la persécution. Regardez la violence des combats. Regardez ce que Hérode a déclenché juste pour pouvoir arrêter la prophétie de Jésus, la manifestation de Jésus. À cause de cet enfant de 8 jours, toute la ville de Jérusalem a été endeuillée. Tu sais, dans le monde spirituel, on peut faire tomber un cas juste parce qu'on cible une personne. Ouais. Donc, si autour de toi, dans ta famille, tu as l'impression que les choses ne vont pas là, si tu as l'impression que malgré ton étoile, malgré la prophétie, il y a des combats qui sont en train de te dépasser, en fait, c'est parce que toi-même, tu es quelqu'un de plus grand que tu ne le penses. En réalité, le monde spirituel ne t'attaque pas. Selon ce que tu es dans ce monde physique-là, le monde spirituel t'attaque selon ce que tu es dans le spirituel. Cet enfant de 8 jours-là était le roi des Juifs dans le monde spirituel. Il faut savoir qui tu es, s'il te plaît. Il n'y a personne qui puisse arriver à un certain niveau de leadership qui ne décide pas de rentrer dans une dimension spirituelle excellente avec Dieu. Tu sais, le plus important dans la vie, c'est de comprendre que peu importe ce que j'ai vécu, je suis inarrêtable sur cette terre. Je suis inarrêtable. Moi, j'ai compris ça. J'ai compris qu'il n'y a pas quelque chose qui va freiner la prophétie de Dieu en manifestation sur terre avec moi. Il n'y a pas quelque chose qui va m'arrêter, peu importe mes erreurs, peu importe mes faiblesses. Peu importe ce que j'ai pu commettre comme acte ou ce que je n'ai pas fait, peu importe la réputation que les gens m'ont accordée, il n'y a pas quelque chose. Écoute-moi, l'amour de Dieu ne se détachera pas de toi parce que les gens parlaient mal de toi. Quand tu comprends ça là, tu commences à faire confiance à la miséricorde de Dieu, puis tu commences à... C'est parce que les gens n'acceptent pas, ne vont pas jusqu'au bout de la miséricorde de Dieu qui commencent à se condamner eux-mêmes quand ils font des erreurs. La femme qui sera témoin de la résurrection de Jésus, c'est une dame qui s'appelle Marie-Madeleine. Va faire des recherches sur sa vie. S'il te plaît, le monde spirituel, ou du moins le royaume des cieux, est un royaume de champions. Mais ce sont des champions qui ont été défaits en fait par la vie sur terre, à qui Dieu a accordé une seconde chance. Est-ce que tu me comprends un peu? Donc si là, en ce moment-là, tu es en train de m'écouter et puis tu te dis, pour moi, c'est fini. J'ai fait une erreur, j'ai été renvoyé. J'ai fait une erreur, je suis sorti de mon foyer. J'ai fait une erreur, on ne m'a pas accordé une seconde chance. Les hommes ne t'ont pas accordé de seconde chance. Mais Dieu, lui, au cœur de son dispositif, te maintient toujours. Parce qu'il sait qu'avec toi, il fera de grandes choses. Ça ne dépend pas exclusivement de ce que tu n'as pas fait ou de ce que tu as fait. Ça dépend du fait que tu es inarrêtable selon la pensée de Dieu. Yes. C'est pourquoi lève-toi, s'il te plaît.
et embrasse ta destinée. Parce que si tu t'arrêtes, il y a des personnes qui ne vont pas retrouver leur chemin. Si tu t'arrêtes, il y a des personnes qui ne vont pas se retrouver. Si l'entreprise que tu as prévu de bâtir, tu décides de la tuer expressément parce que les choses sont difficiles, tu décides de mettre les choses au tiroir, il y a des gens qui n'auront pas de travail parce que tu n'as pas eu à aller au bout de ce système d'entreprise que tu as décidé de bâtir. Il y a des gens qui sont rattachés à tes destinées. Il y a des gens qui sont rattachés à ce que tu dois devenir. Il y a des gens qui sont rattachés à ton étoile. Ce soir ou ce matin, je prie, selon le fuseau horaire à partir duquel vous nous suivez, je prie que ton étoile brille dans le ciel comme l'étoile de Jésus a brillé dans le ciel. Dis-moi bien Amen. Que ton étoile brille comme l'étoile de Jésus a brillé dans le ciel de Jérusalem. Et que les gens puissent repérer ton étoile et qu'ils se repèrent dans la vie. Alléluia. Alléluia. Il y a trois points essentiels, je vais aller très rapidement. Trois points pour être inarrêtable dans cette vie. Dieu veut que tu ailles au bout. Mais sur le chemin de ta vie, il peut y avoir des choses qui se passent. Il y a les conséquences de tes erreurs. Peut-être que tu es en train de payer là en ce moment. Il y a les conséquences de l'ignorance que tu es en train de payer peut-être à travers les problèmes que tu vis. Il y a le fait que tu es en train de payer le prix de l'inamitié, de la haine, de la jalousie des gens autour de toi, un peu comme Joseph. Et peut-être ce sont ces trois causes-là qui t'ont mis dans des difficultés aujourd'hui. Le premier point donc, si on veut être inarrêtable, c'est de refuser que la situation dans laquelle on est notre destination. Alléluia. Refuse absolument que la situation dans laquelle tu te trouves est ta destination. Chaque matin quand tu te réveilles, écoute-moi, ça doit être un mantra dans ta tête. Tu dois pouvoir te répéter ça, c'est pas ici là que je vais finir. Je sais pas où tu dors. Je ne sais pas dans quel quartier tu dors à Abidjan ici. Je ne sais pas dans quel quartier tu dors à Paris. Je ne sais pas où tu te trouves à Dakar. Mais écoute-moi, chaque matin que Dieu te gracie de 24 heures, tu dois te lever et commencer à te dire, répéter ça à ton cerveau pour dire, c'est pas ici là ma fin. C'est pas ici là que je vais finir. C'est pas dans ça là que je vais finir. Écoute-moi, ça doit être une vérité que tu t'appliques à toi-même. Ça doit être une vérité que tu t'imposes à toi-même. Parce qu'à force de répéter des choses, cela finit par devenir ta vérité. Tu commences à t'approprier cette vérité-là et ton comportement commence à changer en fonction de la mentalité que tu adoptes à partir des paroles que tu prononces. Tu dois refuser d'être là. Tu dois refuser que ce soit ça ta destination. C'est parce que Joseph a refusé que la prison était sa destination que lorsque les gens avaient fait un rêve, le même système qu'il avait conduit dans des problèmes, c'est le même système là qu'il a déployé et c'est ce qui l'a permis de sortir. Joseph aurait pu s'asseoir pour dire, moi, chaque fois que j'interprète des rêves, là, ça me crée des problèmes. Parce que ces problèmes ont commencé quand il a rêvé et il est venu raconter ses rêves à ses frères. C'est là que ces problèmes ont commencé. Il aurait pu s'asseoir et dire, en fait, moi, cette histoire-là, je ne rentre plus là-dedans. Il y a trop de gens qui ont tué leur talent parce qu'ils se sont retrouvés dans des problèmes. Il y a trop de gens qui ont tué leurs rêves parce qu'ils se sont retrouvés dans des difficultés. La première fois, tu as décidé de faire quelque chose et puis ça s'est terminé en catastrophe. Tu as monté une entreprise, ça s'est terminé par des dettes. Tu dis non. Moi, je ne retourne plus vers ça. Écoute-moi, chaque fois qu'un enfant essaie de marcher, il tombe. Et les psychologues et les scientifiques disent qu'un enfant tombe au moins 1000 fois avant d'apprendre à marcher correctement. Si tu as fail, si tu as connu l'échec, si tu es tombé, au moins tu as essayé quelque chose. Je disais à une amie qui se présentait, qui est rentrée dans le monde de la politique. Elle s'est présentée dernièrement pour la question lors de la campagne et tout ça. Et je lui ai dit, toi au moins tu as essayé. Il y a des gens qui vont à la prière, qui disent qu'ils ont reçu un manteau pour pouvoir diriger. Et puis quand ils sortent de la prière, ils vont rire. Tu vois, non? Mais elle a reçu le manteau qu'elle a fini de recevoir là. Elle est partie sur le terrain. Parce que c'est le terrain qui détermine. Tu comprends, non? Donc elle allait affronter l'électorat. Même si elle a eu, je ne sais pas combien elle a eu. Ah, même quel que soit le résultat qu'elle a eu, elle est en avance sur quelqu'un qui n'a rien fait. Quand Dieu a fini de parler, là, le reste sur la terre, là, ça dépend de toi. Voilà pourquoi il y a des prophéties qui sont en latence sur nos vies. Parce qu'on n'est pas en activité, parce qu'on n'est pas en mouvement, parce qu'on n'est pas en action. Alléluia. Quand Dieu a fini de parler dans ta vie, le reste, là, ça dépend de toi. Dieu te dit, tu vas avoir voiture. Tu ne vas même pas te promener au niveau des maisons, des concessionnaires automobiles.
pour voir à quoi une Mercedes ou bien à quoi une Bentley ressemble. Frère, c'est quand tu vas aller chez un concessionnaire automobile, que tu vas voir les voitures là. Quand on va te dire le prix, ça va t'effrayer. Ton cerveau va te dire, tu fais quoi ici? C'est pas ta place ici. Mais malgré ce que ton cerveau te dit là, tu continues à demander prix de voiture. Dis-moi bien, amen. Et le fait que tu commences à demander des prix des voitures là, ça va commencer à formater ta mentalité. Ça va commencer à former, rééduquer ton système. Tu vas commencer à normaliser le fait que avoir plusieurs millions, c'est pas mauvais quoi. Et ce genre de choses là, si tu commences à parler de ça à tes amis avec qui tu es assis au quartier, ils vont commencer à te dire, mais toi tu fais quoi comme ça? Parce que tu as décidé de sortir. Refuse que cette situation là soit ton terminus. Refuse que cette situation là soit ta destination au nom de Jésus de Nazareth. Et je prophétise sur ta vie que cette situation là ne sera pas ton terminus et ta destination au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je le déclare par la foi et je prie que tu saisisses ce message au nom puissant de Jésus. La deuxième étape pour être inarrêtable, après le fait de refuser, c'est de rechercher, en fait, c'est d'avoir une capacité d'adaptation. Écoute-moi bien, que tu sois en entrepreneuriat, en business ou dans l'œuvre de Dieu, il faut avoir une capacité d'adaptation, une adaptabilité à la situation qui se présente à toi. Écoute-moi très bien, je prends mon cas. Personnellement, moi je suis quelqu'un que je n'aime pas appeler. C'est une déformation liée à la situation que j'ai traversée depuis un certain moment. Je n'aime pas appeler les gens. Tu sais pourquoi, Ange? Parce que je n'aime pas déranger. Marie me connaît. Elle me connaît il y a longtemps. C'est vrai qu'elle était très timide, toujours dans mon coin. C'est ça, non, Marie? Toujours dans mon coin. Quand tu me cherches, je suis coincé là-bas dans mon coin. Mais en fait, c'est une attitude que j'ai développée. Pourquoi? À cause d'une situation de rejet. Tu comprends, non? J'ai tellement été rejeté dans ma vie qu'à la fin, j'ai fini par me coincer en fait au mur et à me dire, en fait, je ne veux pas déranger le monde. Lorsque je suis rentré dans le domaine du leadership et du coaching, je me suis rendu compte que si je continue comme ça, là, ça va me fermer des portes. Il y a des choses qu'on développe au niveau de notre personnalité. On a l'impression que c'est notre nature. En fait, c'est comme ça que la vie nous a formatés. Et tu dois te transformer. Tu dois changer. Tu dois avoir une capacité d'adaptation en fonction de la position que tu veux occuper au sommet. Alléluia. Si tu veux devenir directeur général, mon frère, ma soeur, de temps en temps, va t'asseoir dans les restaurants où les DG mangent. Oh, dis-moi, amen un peu. Faut me dire amen. Faut regarder comment ils mangent. Faut regarder même le reçu. Le reçu. La facture. Après leur déjeuner. Regarde les thèmes qu'ils abordent quand ils sont ensemble. Parce que tu ne peux pas te retrouver dans un environnement où on parle de bière, de football. C'est la canne, non? Moi, je ne regarde pas de football, en fait. Tu ne peux pas te retrouver dans un environnement où tu parles de football, d'alcool, de femmes. Et puis, tu vas avoir l'esprit et la mentalité des gens qui dirigent des entreprises. Non, non, non. Voilà pourquoi, à un certain niveau d'ambition, tu ne peux pas rester dans le même environnement des gens qui sont médiocres. Tu es obligé de quitter l'environnement. Donc, il faut avoir une capacité d'adaptation. Frère, il y a une situation qui s'est présentée. Ton plan A ne marche pas. Mais c'est le plan B. Dans les évangiles, là, il y a eu quelqu'un qui a fait 38 ans. C'est 38 ans, non? 38 ans de paralysie à la piscine de Siloé. Ouais. Le monsieur a assis pendant 38 ans. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est né devant lui. La personne a fait jardin d'enfants, cycle primaire. La personne est allée au collège, elle a fait le lycée, elle est allée à l'université. Hein? Elle a eu ses diplômes, elle a commencé à travailler, elle a fondé une famille. La personne même a fait des enfants, le monsieur est assis à sa même place. C'est une malédiction. Le monsieur est resté à sa même place pendant 38 ans. Lorsque Jésus arrive, il lui demande, est-ce que toi-même tu veux guérir? Et le monsieur va commencer à répondre maintenant sa mentalité pour dire, mais en fait, je n'ai personne pour me pousser. Mais si ton plan A n'a pas marché, et c'est le plan B, notre capacité d'adaptation nous permet de voir d'autres angles de la situation. Alléluia. Le problème dans lequel tu te trouves n'est pas un problème définitif. Ta capacité à pouvoir t'adapter à d'autres connaissances, ta capacité à avoir d'autres angles peut te permettre de voir la situation autrement. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, tu trouves que la situation est trop complexe, mais essaie une autre méthode. Voilà pourquoi l'une des phrases les plus dangereuses dans une organisation pour des leaders, c'est « on a toujours fait ça, on a toujours fonctionné comme ça ». Tu rencontres des gens pendant 10 ans, ils ont toujours la même méthode. Tu vois, Ange, tu prends un musicien,
les mêmes accords de 1980 là. C'est les mêmes, ce sont les mêmes accords là qui plaquent. Ou bien tu prends un arrangeur de musique, la musique qu'il faisait en 1980 avec la salsa, tu vois, les Cubains, ce que nos papas dansaient là. C'est ça que les gens veulent appliquer aux enfants de 18 ans là. Ça peut pas marcher. Parce que les enfants de 18 à 25 ans aujourd'hui là, c'est quoi, rap gospel, non? Ils sont dans un mouvement de rap gospel. Mais tu peux pas faire de la salsa et puis ils vont venir t'écouter. Ça va pas, frère. Il y a un dicton en anglais qui dit you adapt or you die. Soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Toutes les entreprises qui survivent aux crises sont des entreprises qui s'adaptent. Tous les entrepreneurs qui survivent aux échecs sont des entrepreneurs qui se sont adaptés. Après le coronavirus, j'ai eu à rencontrer un DG, un ami DG. Et il me disait toutes les réformes qu'il a eu à faire par rapport au coronavirus. Et il m'a dit ceci qui m'a marqué. Il m'a dit, Stéphane, avec le coronavirus qui est arrivé là, je n'avais pas de choix. Soit je revoyais ma copie, soit l'entreprise mourait. En fait, je vais t'expliquer. Un problème, c'est juste un panneau indicateur de ce que tu dois commencer à changer tes habitudes. Quand une maladie arrive et qu'on va voir un médecin, le médecin dit quoi? Il commence à te mettre sous traitement, mais en même temps, il t'emmène à revoir en fait ton régime alimentaire. N'est-ce pas? C'est une façon de corriger tes habitudes. Donc, un problème n'est juste qu'un panneau indicateur pour te dire, écoute, c'est une alarme pour te dire, si tu ne changes pas, le pire risque d'arriver. C'est ça, en fait, le problème. Le problème, c'est que très souvent, nous sommes dans une dynamique où on n'écoute pas quand la vie nous parle. Nous sommes dans une dynamique où on n'écoute pas quand nous avons des situations qui se présentent à nous. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons rester sur ces deux points. Nous allons rester sur ces deux points parce que ce thème sera développé pour la prochaine séance. Mais en ce moment, je veux vraiment nous laisser avec Ange Bawa et Marilyn Lobassé pour nous permettre de rentrer dans un petit temps de prière. Ange et Marilyn. Ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Que Dieu fasse avec ta vie. Que Dieu fasse avec ta vie, que Dieu réforme ta mentalité, que Dieu réforme ta vision. Cette situation que tu traverses ne te conduira pas à la mort. Cette situation que tu traverses ne te conduira pas au pire. Il y a une solution qui se présentera à toi. Et je prie en ce moment qu'une solution te soit présentée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors à cette étape de l'émission, je veux dire merci à la réalisation, merci à nos chants, merci à tous ceux qui ont permis que ce plateau soit présenté. Merci à Monsieur Monet, merci à Monsieur Aristide, merci à tout le monde, merci à vous. Et puis bon, merci au Seigneur qui permet que nous puissions avoir cette belle expérience au niveau de cette chaîne de télévision. On va se donner rendez-vous prochainement, rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse exagérément. Shalom, c'était Stéphane Marie du Leu. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Réjouis-toi dans le Seigneur. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. L'Éternel est ma porte. Dis-le encore. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est
je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des vicieux, il me fait marcher.